Parce que Jésus l'avait dit ainsi.
n'y a aucun royaume juste. Sur la terre, il n'y a aucun royaume juste. Donc, à ta mon côté, aucune bien-aimée, où ils sont juste, qui soit juste. C'est pourquoi il y a la promesse d'un royaume en justice. C'est pourquoi il y a la promesse d'un royaume de justice. Nous avons appris ce qui est régulièrement l'arrivée d'un fils appelé Salomon. Le Seigneur avait donné ce signe à l'arrivée d'un fils qui est Salomon. Comme on a eu un étalé sa façon dans 1 Chronique 22. Son nom signifie d'après 1 Chronique 22, au verset 9, l'homme d'Irébo. Monteur a coupé sa quignia. Donc, il est en besoin de la reine. Et lorsqu'il vient dans son règne, guerre nous a sauté. Il n'y aura plus de guerre dans le pays. Mais en ces temps, ce sont des puissantes nations qui règnent. Les amis du Coréa, les amis du Kambamabele. Et alors Jésus-Christ s'est fait qui Pilate. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. On continue à faire les amis à occuper au terre. Et dans le monde, il avait dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et dans ce monde, il avait dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Une nation se révéla contre une autre. Et que le monde écoutait les mélanges sous. Un royaume contre le royaume. Et vous continuez à côté de Miramoussous. En Miramoussous, dans Matthieu 24. Le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24. Mais il est où il y a un royaume où il y a un royaume à tranquillité. Mais le signe du royaume de paix ou de repos, il y a un fils de David. C'était le royaume du fils de David. De tous côtés en Israël, tranquillité, Zaraki. Et de tous côtés en Israël, il y avait de la tranquillité. Dans la frontière, Nios, tranquillité. Dans toutes ces frontières, il y avait la paix. Et c'est ça le temps où Christ va régner. Il y a un temps où il y a Christ à Boutambamabile. Au millénium. Au millénium. Il y a un événement dans la Bible, le royaume de justice. Et c'est ce qui est appelé le royaume de justice dans les Saintes Écritures. Dans le temps où il y a, en ces temps ici présents, nous avons faim. Et notre veine Jésus l'avait décrite dans Matthieu 5. Au verset 6, elle dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et c'est mon abaye au Basali, Nanzalapé, Naposama, Yaboué, Gébéni. Donc, les heureux en réalité, Batu et Sengon, Naposol, Bakouyou, Yubazana, soif et faim de la justice. Ce sont ceux-là qui ont soif et faim de la justice. Yango, en réalité, Nantana, Rouana, c'est pourquoi, en réalité, dans le temps de ces royaumes, pour la mission d'Ozak, une femme, quand nous sommes une femme, il est une mission, c'est la justice. Et notre nourriture, c'est la justice de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons la faim. Mais aujourd'hui, nous avons faim de cela. Donc, il faut que tout ça, on a besoin d'apprendre sur la vérité et ça, on a ici. Et nous avons soif à tout moment que la vérité soit à sa place. Maman dans ta maison. Maman Nada Konayo. Linga que la vérité soit à la Messie. Il faut désirer que la vérité soit à sa place. Pour ça dans ta maison, éviter l'image ou les contraires dans la parole, dans la télévision. Tu es dans ta maison, évite les images contraires à la parole dans ta télévision. Tu es papa. Tu es papa. Frère. Les combats. Pour ça, la télévision, tu es content là, n'importe quoi. Tu n'as pas acheté la télé pour regarder n'importe quoi. David est prié dans psaume 119. Oui, il y a qui vous semble dans psaume 119. Oui, il y a ça qui vous semble dans le Seigneur, son angaï, pour arrêter de mettre son angaï dans la chose vaine. Il avait dit, Seigneur, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Prie aussi pour tes yeux. La sable est la tapée pour la mise sur les yeux. Des choses vaines. M'attendez à Pamba. Les autres construire les yeux. Les choses qui ne t'édifient pas. Et tu vas balayer. Par exemple, le football. David a semblé qu'il était un. Et David avait prié pour les choses de cette nature. Les eaux instruites, ils attendent les nouveautés pour qu'on la nomme. Ces choses-là ne détruisent en rien pour être édifiées dans le jour. De la même manière, Job disait, Seigneur, mes yeux ne s'arrêtaient pas sur une vierge. Mes yeux ne s'arrêtaient pas sur une vierge pour la convoiter. Donc, à Taïsaïk aussi, à Taïsaïk sa justice. Et Job parlait de son intégrité, sa justice. Il n'était pas là pour convoiter le femme. Il avait dit qu'il n'était pas ainsi. C'est ce qu'il dit dans la parole. Les alliances à l'Ikoloba, la tête à ma ta vie aussi. Bon, il est open. Aussi, il est à côté. Au fond, il y a un homme, nous autres, la tarambe, passé, la bandera, tout ça. Sauf au tali premier, au talaboui. Et si tu
regardes la première fois qu'une femme passe, parce que tu as péché, ce n'est pas que tu retournes encore en train de convoiter tout un péché. Il faut se garder pire. Le Seigneur ne peut pas te rappeler. Aux en valeur, ma casse. Tu as plus de valeur. Il y a mon ténèse pour montrer, il y a la honte. Ce n'est pas le péché qui est une valeur, mais c'est une honte. On a des mises à la fixer vers des choses. Il ne faut pas laisser que tes yeux soient toujours sur les choses de la honte. Aux amis frères, aux amis sœurs, dites-moi-ci. Dans ta maison, il y a la parole et règne. Dans ta maison, il faut vouloir les règnes de la parole. Aux amis en télévision, tu as une télé. Aux amis la télévision, on va utiliser la flash. Il y a une télévision qui utilise des flash. Tu matéa, pas la même pas comme matéa. Et tu mets des prédications que les enfants les écoutent aussi. Ou bien au type en zéro. Ou bien tu mets des chantiers. Aux amis là pour pas la même. Banzimbo, plus que Banzimbo, où il y a ma sainte. Tu as des enfants à la maison qui maîtrisent plus les chants du dehors que les chants des saints. Il faut te révolter. C'est ce qu'on avait dit concernant nos chants. Et ça, très important. Et ça, ils m'ont tué à ma casse. Au moment où tu ne verras pas ces gens-là. La concerne à Mamba, dans leur concert en train de jouer nos chants. Parce qu'ils savent qu'ils vont faire votre publicité. Ils ne vont pas entonner vos chants même pendant 2 minutes. Et vous savez, c'est là que c'est pas ça. Mais ce sont des faux. Parce que ça n'y va pas tomber. Parce qu'ils veulent garder marketing. Mais ils veulent bien garder leur marketing. Maintenant, il y a eu et combien de temps. Maintenant, où est-ce qu'ils seront joués tes chants? Depuis le matin, tu n'as fait que jouer leur chant. Dans ta maison, dans l'assemblée des saints, dans l'église des saints, non, élevez les chants des Sion. C'est pourquoi, dans l'écriture de Dieu, David me disait ceci, au prophétiser. Lorsqu'il prophétisait, Israël Babylone. Sur les choses qui arriveront sur Israël lorsqu'il ira à Babylone. Azoloba, il dit au sol de la contrée. Na banzito ezali pemeni ya mai. Nous étions assis. Ils ont offert d'acta à nos souverains des Sion. Mais qu'on canisse acta et vous massiez. Nos vainqueurs nous demandaient. Bah il m'alonga qui dit ça. Bazala qui possède la musique des Sion. Donnez tes abango baloyer mo ya Siona. Nous sommes. Tout ce que lui ou Sion, il faut l'ingayango et sillonner dans le lingue que même Babicolo Balanga. Il faut vouloir que les cantiques de Sion puissent sillonner des terres saintes que les païens aussi attendent. Mais pour bien chanter, il faut la délivrer. Et c'est mieux au tableau là-bas. Et alors il m'a dit, comment chanterions-nous les cantiques de Sion dans une terre étrangère? Le lingue parce que nous y sommes pour la musique. Parce que le chant c'est pour un délivré, un racheté. Dans nos âmes à quoi ici Pharaon. Lorsque le Seigneur a renversé Pharaon et toute son armée de l'île, Israël a et Israël a vu ce que Israël et Israël a loué l'Éternel. Dans Goliath, Israël pendant 40 jours. Lorsque Goliath tourmentait Israël pendant 40 jours. Et que le Seigneur maintenant a eu sa victoire par David. Est-ce que le Seigneur est venu donner la victoire par David? Israël. Israël a loué l'Éternel. Le lingue le la Christ a longi Satan la croix. Et la même manière Christ a vaincu Satan la croix. Il faut vivre la mission et à la louange. Il faut que nos vies aussi soient une louange à l'Éternel. Mais voyez maman la terre étrangère. Mais nous n'allons pas les chanter sur une terre des étrangers. Et ça dit, alléluia, nous allons moi si la maman la. Mais ce n'est pas que tu chantes alléluia, mais tu as une concubine là où vous allez mourir. Alléluia, vous allez vivre. Ce n'est pas la vie que vous vivez. Non, ce n'est pas la vie. Donc tu meurs. Aux hommes, tu chantes la terre étrangère. La tâche à vous, t'as pas. L'Ina, délivrance. Il faut désirer la délivrance. Ici, la rédemption. Qui chantera. Et puis, vous ne voyez pas si longtemps. Les animaux tuent en magasin. Nous sommes dans le bâtiment. Vraiment la mabé. Tout cela nous disons que tu as vraiment quitté dans le mal. C'est très important parce qu'ils ont la récompense en nous. C'est très important parce qu'il y a une grande récompense à la vie éternelle. Bon, merci beaucoup.
Parce que c'est ce qui est la chose qui est petite. La chair que tu vois, c'est vraiment la terre, la poussière. Vraiment la poussière. Si par exemple quelqu'un vient, même s'il était comment, il est vraiment séparé avec toi. Même s'il était comment, comme on le dit. Vous voyez, les autorités en train d'acclamer les gens avec des maillons de main. Les autorités voient. Et puis commence à écouter. L'abomination. N'est pas pété à ma personne. Mais ce n'est rien normal. Vous allez voir dans la maison de ces regards du concours Miss. Très concentré devant la télé. Donc c'est une abomination. Et là où ils ont contraire la parole, faut que tu aies. Tu vas te poser à ce qui est contraire à la parole. Oh, il est vacaté, l'eau est contraire à la parole. Il ne faut pas élever ce qui est contraire à la parole. L'adoration du Seigneur, il faut la respecter partout. Le sang pour les amis, c'est qu'il est même dans les citoyens. Vous voyez, mais la Zambé, au sang de la Zambé, moi, la moisi, ouvre la tête. Tu veux chanter pour le Seigneur, toi, une femme, ouvre ta tête. C'est la parole du Seigneur. Et ça dit, nous, dans la Zambé. Oui, au contraire, écrire tes bons sentiments, n'ayons ce que l'Issa. Tu ne peux pas contenir l'écriture à cause de tes sentiments pour plaire. Ça va et reconnaître d'après l'enseignement. Il faut tout faire conformément à l'enseignement. Alors le Seigneur sera en paix avec toi. Toujours continuer notre enseignement sur les trois doctrines qui combattent l'Église. Nous continuons notre enseignement sur les trois doctrines qui combattent l'Église. On parlait déjà sur la doctrine de Balaam. On avait déjà entamé la doctrine de Balaam. Et avant de nous tendre à l'écriture, avant d'abord l'Apocalypse 2, verset 14. C'est pourquoi nous lisons cette écriture dans l'Apocalypse 2, le verset 14. Nous autant à la Congo de Jésus-Christ. Nous la lisons au nom de Jésus-Christ. Mais j'ai quelque chose contre toi. Si Nazari de l'eau, comment pour Nazari côté les miens? C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Vous allez voir un ambateur, ma canalité à la Balaam. Qui enseignait à Balak? Oui, Nazari qui côté à Koumou Balak. À mettre une pierre d'achoppement. À tiens, Libanga et Libakou. Devant les fils d'Israël. Liboso et Abana Israël. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Que Dieu ajoute ses bénédictions avec Dieu. Ça vient pas pour la pandémie. Vous avez dit d'avoir autant pour la bonne à tout définir qui est malade. On marche pour définir qui est la personne des malades. Parce que le texte aujourd'hui, parce que le texte que nous avons pris aujourd'hui parmi les sept églises d'Asie. Nous l'avons pris parmi les sept églises d'Asie. Mais Zambès ont reproché et le comment. Mais le Seigneur reproche quelque chose ici. Azumona Batumoko Bakabamipesi la doctrine de Balaam. Il y a là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc le Seigneur n'aime pas cela. Zambé Alibata Oriambo Tende, Tozabakimena Kotalisa, qui est Balaam? Alors on était en train de parler, d'identifier Balaam. Et Tozoa qui est les écritures de Dieu. On avait pris les écritures de Dieu dans l'ancien temps, dans le temps où avant que le Seigneur Asa amena son œuvre à la croix. Avant que le Seigneur efface son œuvre à la croix et qu'il appelle le don du Saint-Esprit et qu'il puisse donner le don du Saint-Esprit, le Seigneur avait qu'un seul peuple. Le Seigneur n'avait qu'un seul peuple sur la terre. Israël. Israël qui Israël. C'est pourquoi en lisant psaume 147, dans verset 19 et 20, au verset 19 et 20, le Seigneur a dit ce qui a pu ce qui parole caca à Israël. Le Seigneur montre qu'il n'avait donné la parole qu'à Israël. Et a pu ce qui était pour les restes des nations. Il n'avait pas agi de même pour les restes des nations. Psaume 147, verset 19 et 20. Psaume 147, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il a fait sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour les rêves, pour toutes les nations. Il a salamonté pour la Nicole Nazan Psaume 147. Je
Je suis dans Psaume 147, verset 19 à 20. Le verset 19. Donc, on nous montre que le Seigneur révèle sa parole à Jacob. Après sa passion et ses ordonnances à Israël. Et ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et à sa volonté pour la colonie seulement. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Où est l'Éternel? Israël n'a pas qui peuple de Dieu. C'est Israël qui était le peuple de Dieu. Donc Israël n'a pas qui la parole de Dieu. C'est Israël qui détenait la parole du Seigneur. Et dans la parole de Dieu, il y a des principes pour les gens qui vont mourir. Il y a le principe que le Seigneur leur avait donné. Le lingue et Seigneur qui va attendre. Comment est-ce qu'ils devaient marcher? Ma nation peut pas aller pour tambour dans le lingue et dans le tambour. Les nations aussi marchaient de leur manière en ces temps-là. Basala qui na ba idolâtrie. Ils étaient dans l'adoration du faux Dieu. Bah oui, au cas dans étaient. Ils pouvaient couper les bois. Bah ça dit moi en forme et en mouton. Et les sculpter en forme d'un homme. Ouais, l'okomoko va se présenter na yango. Ou en forme d'une chose qui représente. Comme en forme d'un animal, par exemple. Mais le reste du bois, il l'utilise pour la préparation de sa nourriture. Mais le reste du bois qu'il a sculpté en forme d'un homme ou de quelque chose sur la terre, il commence à l'appeler comme son Dieu. Alors, Asali culte tout autour de Yahweh. Et il célèbre tout un culte autour de ces bois-là. Et Biloko Oyoyo et Kobana Kopesama par rapport à l'adoration. Et des sacrifices qui seront donnés par rapport à cette fausse adoration. C'était comme ça toutes les nations vivaient. Et c'était comme ça la manière de vivre de toutes les nations. Alors, Asali qui vient à Congo et à Banzambe et à Bango. Et nous renommer aussi leur Dieu à faux Dieu. Qui était de faux Dieu. Mais sur la terre. Seul Israël qui avait le vrai Dieu. Maintenant le fait qu'Israël avait le vrai Dieu, le Seigneur lui avait montré ce qui au batte les paroles. Si tu dabes ma parole, tu auras la supériorité sur toutes les nations. Là, Nathalie Deutéronome 28. Là, j'ai dit Deutéronome 28. À partir du verset premier. À partir du verset premier. J'ai demandé à Jésus-Christ. Attends, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ce qui est aussi mon bon mot, Yahweh, ton Dieu, nous amène alors, en nous servant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, Yahweh, amène alors, te donnera la supériorité sur toutes les nations. C'est ça la parole du Seigneur. Si vous observez ma parole, Israël, Israël, vous aurez la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cela veut dire que les nations vont dominer bien. Cela veut dire que les nations ne vont pas vous dominer. Ces autres en obéissance. Et tout provient de leur obéissance. Mais ceux qui vous désobéissent. Mais si vous désobéissez à la parole, à la parole de l'Éternel, que vous devenez faible et vous allez livrer devant ces nations. Sachez que vous devenez faible et livré devant vos ennemis. Ces choses de Dieu bien-aimé, Balaam ata azalaki devin, même si Balaam était devin comme je l'avais dit autrefois, bah, il a dit que ceux qui Israël a désobéi à l'Éternel, mais il savait que si Israël devient désobéissant à l'égard de l'Éternel, eux qui sont des nations, bah, ils auront la victoire sur Israël. Il faut comprendre ces mouvements. Et c'est que lui va connaître dans l'Assemblée. Balak Azalaki, roi de Moab. Balak était le roi de Moab. Moab, en réalité, n'est qu'il s'en est qu'il y en a. En réalité, Moab est tel que c'est. Les amis, presque sous qu'il y a stationnement à Mambo, maintenant, pour avoir son jet, par contre, la terre promise. Et c'était presque leur dernier campement pour entrer dans la terre promise. Alors, roi Balak, Ayokaki Sango.
Et le roi Balak avait écouté les nouvelles, comment est-ce que dans le parcours d'Israël, il était toujours victorieux. Combien en a pris ce qui Israël la victoire? Combien l'Éternel avait donné des victoires à Israël? Devant la puissante nation. Libosé a dit quoi? Devant l'Égypte. Libosé est plutôt. Devant Og, Bazan. Devant Og, roi de Bazan. Oui. Et alors qu'il avait reconnu son. Il avait entendu toutes ces choses. Maintenant il avait étudié. Nengeni n'ingali roi ya Balak, roi ya Moab na kusalake. Et comment est-ce que moi, Balak, le roi de Moab, aurais-je la victoire sur Israël? À comprendre que Sengeli, Israël a la maudite. Il avait compris qu'il fallait que Israël soit sous la malédiction. Or, malédiction est à la désobéissance. Or, la malédiction vient par le chemin de la désobéissance. Sauf qui Israël a désobéi. Si Israël devient désobéissant, et malédiction. C'est alors viendra la malédiction. La quatrième malédiction. Et dans la malédiction, on va venir à partir du verset 15. Commencez par exemple à partir du verset 15. Il y a Deutéronome 28. Deutéronome 28. Ok, tu m'as dit dans la 63. Descendez même jusqu'au verset 63. Je vais expliquer ma malédiction et pourquoi frapper Israël sur la désobéir. En détail des malédictions qui frapperont Israël en cas de désobéissance. Deutéronome 28 toujours. Deutéronome 28. Je vais partir au verset 15 au qui dit même à 63. À partir du verset 15 jusqu'au verset 63. Même si aujourd'hui, Lévitique 26. Même si vous prenez Lévitique 26, on va aller dans le verset 14. On commence à partir du verset 14. Qui même tient le verset 39. Même jusqu'au verset 39. Lorsque Israël a rejeté la parole. On dit si Israël rejette la parole, t'as la macamboué au commerce. Et regardez les choses qui lui arriveront. Parmi macamboué au commerce. Et parmi les choses qui lui arriveront, ce qui est dans une écriture. Si je prends l'écriture, il y a Deutéronome 28. Le Deutéronome 28. Le Seigneur a zoré. Le Seigneur dit ceci. Azota dit ça. Il est en train de montrer. Qui a pour permettre même Bamouna Baya pour dominer les colonnes. Et qu'il permettra que les ennemis viennent dominer sur Israël. Ou en a aujourd'hui le verset 49 dans 50 aussi. Là, si tu prends le verset 49 et 50. L'Éternel fera partir de loin Yahweh a misaouta musika, des extrémités de la terre nangambo yabakikola, une nation libota moko, qui fondra sur toi l'infortèque, une nation dont tu n'entendras point l'alarme. Donc, et ça parmi ma malédiction où il faut comme la barbe ceux qui battent aussi parole. C'est parmi les malédictions qui peuvent leur arriver en cas de désobéissance. Le légué mon copé est panayo. De la même manière aussi dans ta vie. Le Seigneur t'a déjà fait vainqueur. A Pessio déjà est long. Il t'a déjà donné la victoire. Na Moussa Sala qui est goulou. Par l'œuvre qu'il avait accomplie à la croix. Lui, après sa résurrection. Et après sa résurrection, a tué le Saint-Esprit à l'Église. Il a donné le Saint-Esprit à lui. Et a baissé le principe. Et il a donné un principe. C'est lui qui croira et sera sauvé. Oui, à mon petit mari, à mon baptisé, il sera sauvé. Il sera baptisé et sera sauvé. Et après le baptême d'eau aux autres. Le Saint-Esprit. Et après le baptême d'eau, tu reçois le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça va pour l'adoption. Le Saint-Esprit, c'est pour l'adoption. Donc, c'est pour devenir l'enfant légitime. Donc, tu as adopté. Le Seigneur t'a adopté. Même si tu étais un bandit, Louba, ce qui est Soko, même si tu étais Soko, Congo, même si tu étais né Congo, mais en bas le boulot dans le Congo adopté. Mais le Seigneur t'a enlevé de la nature de Congo et t'a adopté comme son fils. On est son fils. Et tu deviens son fils légitime. Mais c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul déclare l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit à timidité. Mais c'est l'esprit de force. Les animaux, c'est un esprit qui crie. Les animaux, voilà. Esprit les autres, c'est qu'il vous a adopté. Donc cet esprit montre que tu es réellement adopté. Vous en avez donc tu es dans la maison de Dieu. Par le Saint-Esprit.
Dans la main de moi, il y a regarde toi-même seulement le fils du roi de rois. C'est un qui a la supériorité. Mais il va la préserver en obéissant à son père. Mais si tu n'obéis pas, tu vis dans des impédicités, et tu vis dans la débauche, dans l'orgueil, dans l'orgueil, dans l'hypocrisie, dans la vie de l'hypocrisie, sache que tu es rabaissé. Les démons et oui, votre fils. Et les démons pourraient te tourmenter. Donc il faut faire très attention. Seigneur, ok, Mamata, c'est mon nom. C'est bien. Dire que j'ai la victoire sur tout, c'est bien. Mais il faut obéir. Mais Seigneur, l'auteur s'en tape. Pour voir la manifestation de Dieu. Et si tu n'obéis pas, tu ouvres une porte. Tu ouvres une porte de moi. L'ennemi a voulu attaquer ma cambonne. Alors, la forme, il se perd pour réussir. Et l'ennemi viendra attaquer tes activités dans toutes ses formes et il réussira. Sauf qu'obéir, si tu es désobéissant, et obéir, c'est croire à la parole, respecter la parole. Et Israël aussi. Et Israël, Israël qui se fait atrocité. C'est que s'il n'obéit pas, l'ennemi va dominer. L'ennemi dominera sur nous. Mais la désobéissance, Israël causa la potosa, la parole de Dieu. C'est manquer à l'obéissance et la parole de Dieu. Les, ce monsieur-là, voilà. Mon bagwana bala total sainte écriture. On avait montré par les saintes écritures Kazaraki Madianite qu'il était un fils de Madian. Et dans Josué chapitre 13, et dans Josué chapitre 13, dans verset 22, au verset 22, tant que Josué a zopé ça, a zopé un peu par rapport à la conquête de Salemaki. Lorsque Josué faisait le rapport des conquêtes qui étaient réalisées, Josué 13, verset 22. Josué 13, verset 22. Parmi ceux qui tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée les devins balas. Fils de Béor. Donc l'écriture est bénie. L'écriture m'appelle Balaam Nangakisi. Mais toujours remarqué, Zali. Mais qu'est-ce que nous remarquons bien? Nangakisi est devin. Mais tant que d'autant que verset 5 est mis en nombre 23. Mais en lisant le verset 5 de nombre 23. Nombre 23, verset 5. Nombre 23, le verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui n'a pas bon esprit. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Yahweh a tiré qui maloba na monoko ya Balaam. Hasard d'abord devin. Il était d'abord devin. Mais il a pas eu sa parole. Mais le Seigneur a pris sa parole. Aïe, tiens, mon amour. Il l'a mise dans la bouche du faux prophète. Toujours encore dans le verset 16. Nous prenons encore le verset 16. Toujours en nombre 23. Toujours du même chapitre. L'Éternel vint au devant de Balaam. Yahweh aya kibosu ya Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche. Achaki maloba na monoko na ye Balaam. Et dit pe atal. Retourne vers Balaam. Soka ipaya kumu Balaam. Et dit par les mains. Pe ukoloba na lolenge boye. Donc toujours remarquer que devin. Mais nous remarquons qu'un devin. Nanga. Il était vraiment un devin. Ça me l'a piqué. Il prit ses idoles. Il n'a pas de pain. Les choses vaines. Mais il a reçu sa parole. Mais le Seigneur a pris sa parole. Il l'a mise en lui. Mais a été répandue. Mais le Seigneur ne lui a pas prêché la repentance. Abandonne tes idoles. Donc, tita piqué qu'on a. Tita pas fausse adoration. Abandonne tes fausses adorations. A tiqué. Non, le Seigneur l'a laissé sa parole. Mais il a mis seulement sa parole dans sa bouche. Pour qu'il puisse prophétiser. Oh, nous sommes dans notre temps, ces années. Tout ce que nous voulons faire voir et que nous devons à la même azur magie. Quelqu'un peut être là, magicien ou cultiste. Là, mais pas pour utiliser la parole. Et le Seigneur peut l'utiliser, il parle de la parole. Mais Alpha m'a dit. Mais il est mauvais. Pour te dire quoi? Pour la même salut. Pour constater que tous les serviteurs de l'assemblée de Saint-Bazar réellement vrais. Mais pense pas que tous les serviteurs dans l'église de Saint sont des vrais serviteurs. Alors, personne ne peut dire qu'on discute la vérité. Je dénonce ces écritures pour ne pas débattre avec les écritures. Donc, et vous allez pour tout, à la sorcière.
peut être un serviteur comme sorcier. Il est comme sorcier. Donc il est sorcier. Il bon bien. Donc il se préserve. Ah, je peux dire, il est célibataire au nom de Jésus-Christ. Mais ça va bon ici à la répentance. Mais le Seigneur ne l'a pas préparé à la répentance. Non. Donc il part de sa sorcellerie. Donc il grandit aussi là-bas. A commis. Disciple même pas bien la vie. Il devient disciple comme on l'appelle communément. Donc il devient disciple. Frère. Donc il quitte frère. Par moi, après un certain moment. Et directement. A premier père ministre. Il devient aussi ministre de la parole devant les enfants. Ça va compter la repentance. Le Seigneur ne l'a pas compté dans la repentance. A terre jamais Balaam repentant. Le Seigneur n'avait jamais prêché la repentance. Parole, mais il a pris sa parole. Et l'a mise dans Balaam le faux prophète. Salaire à Balaam, ton monde est en Josué 13, verset 22. Son salaire pour la vie dans Josué 13, 22. Balaam d'abord, il est beaucoup allé là et pas jamais que, allé à que je meurs la mort de Jésus. Balaam n'a pas appelé. N'a pas fatal, il va pas y venir. Et ça, dans verset 10. Le verset 10. Il y a nombre 23. Nombre 23. Qui peut compter la poussière de Jacob? Et dire le nombre du cas d'Israël. Lorsqu'il a venu la gloire que Dieu a mise dans Jacob, alors, il dit que je meurs de la mort de Jésus. Et que ma fin soit semblable à la leur. C'était sa prière de lui. Mais le Seigneur de lui avait refusé. Il avait péri au fil de l'épée. Josué 13, verset 22. Vous suivez attentivement. Donc, ce qu'ils font, donc, tu dois saisir ceci bien. Mon parcours à la faux. Personne peut être faux. Un faux serviteur, mais le Seigneur peut l'utiliser. Assemblée radiologie. Il brille aussi en lui. Qu'est-ce que tu manifestes-toi? Manifestation. Il y a aussi des manifestations qui sont faites. Mais il est faux, serviteur. C'est pourquoi nous autres ici. C'est pourquoi nous parlons de ces résultats. Amen. Et vous remarquez que. Et vous remarquez bien. Balaam dit venir avec sa parole. Balaam, le Seigneur venait avec ses paroles pour les mettre dans sa bouche. Mais Azarin est vain. Et Azarin n'a la pissimotasoloka. Et Balaam savait. Mais Balaam n'a pas dit Balaam. Que ce qui Israël a désobéi à la parole. Et si Israël vient à désobéir à la parole de Dieu, ça va autour. Le Seigneur va s'irriter. Et on peut remarquer que Balaam, Azarin qui n'importe qui t'est. Et Balaam n'était pas un homme de rien, non. On t'a dit qu'on n'y pas Aaron. Et puis Balaam avait autorité dans ma camouna le baba. Et Balaam avait aussi de l'autorité dans tout ce qu'il disait. Dans le bala gazoti de l'aimaro. Lorsque Bala te lui envoie ses paroles, Aaron, il dit ceci. Dans nombre 22. Dans nombre chapitre 22. Dans le verset 6. Le verset 6. Je n'ai pas de Jésus-Christ. Amen. Viens, je t'ai pris. Yaka Nazali Kobonde la yo. Wana Balak, roi de Moab. Là, c'est Balak, le roi de Moab. A Tindi Batu Bakende, Kouyibsa Balam. Il envoie des messagers pour aller dire à Balam. Ayapo Alakelamabe Bana Israël. Qu'ils viennent et qu'ils maudissent les enfants d'Israël. Natina et Ye Balak, roi de Moab. Enfin, que lui, Balak, le roi de Moab. Allons à Israël. Qu'on puisse vaincre Israël. Nous lisons le verset 6. Il y a nombre 22. Nombre 22. Viens, je t'ai pris. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Les gens qui vont de terrain savent que nous sommes plus puissants que eux. Mais le chemin qu'ils nous cherchent, c'est ta désobéissance. Et là, j'aime nous dire. Ce n'est pas un autre chemin. Qui vous a plus puissant? Ils savent que nous sommes plus puissants que eux. Tel que nous sommes. Aucun démon ne pourra te résister. Pour ça, Jésus. Parce que tu as Jésus. Mais non, comment nous capa? Mais ce qu'ils nous cherchent, c'est que tu deviens obéissant. Désobéissant. Hein?
Dans ce qui concerne moi, ce qui concerne la désobéissance, Balak explique ceci. Dans son langage, dans verset 13e, on continue nombre 22. Je vais continuer dans nombre 22. Dans nombre 23, il dit ceci. Dans verset 13 à 14, au verset 13 et 14. Balak lui dit, Balak a ici, nombre 23, verset 13 et 14, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu les verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et tu la mouriras. Elle est là, maudit-moi. Mais si tu as dit laquelle est ma paix pour la taille. Donc, pour malédiction s'abattre dans un corps, pour que la malédiction s'abatte dans un corps, l'ennemi a dit là que ce qui est une partie, les a bien vu qu'ils ont qu'elle. L'ennemi sait que si seulement une partie est visée, et vous voyez. Donc, c'est la malédiction qui entrera dans le camp. Il y a aussi Jésus qui s'en va dit, si même partie nous sommes mis dans la lumière. C'est pourquoi Jésus a dit, si tout ton corps est dans la lumière. Mais moi, et qu'une faible partie de l'ennemi est dans les ténèbres, nous autres, c'est tout ton corps qui est dans les ténèbres. C'est par exemple tel que l'homme est là. Il se dit que Dieu sait quand même que je souffre. Même si je vis dans la félicité, ce sera une seule fois que j'ai commis l'acte. Je suis fidèle. Il n'est là que pour nous aider parce que nous sommes dans la souffrance. Parfois, il ne parvient pas à me payer les frais. Est-ce que c'est tout un problème? Regarde, même il m'a fait des merveilleuses promesses que nous avons. Mais c'est pas cette partie qui est dans les ténèbres. Pas bloqué pour toute ta vie, bienvenue. C'est ce que Balaam dit. Et c'est ce que Balaam dit. Alors, il a compté au moment où on a eu tu ne verras pas Israël en train. Mais moi, il est digne au moment. Mais c'est une partie que tu verras. Malédiction pour toi. La malédiction entrera dans le camp. Il faut y aller par la façon dont le diable travaille. Tu dois savoir la manière de travailler du diable. Alors, ma grâce, c'est qu'on appelle péché. Il ne cherche pas ce qui est péché dans ta vie. Comment on a manqué nous aider. Il ne faut pas le minimiser ou l'aggraver. Mais péché canoa. Mais c'est pas ce péché-là. Mais il y a un mot né à Koloka. Et c'est ce qu'il va chercher dans ta vie. Après, le connaît du sou, il peut te chercher un bon parent. Tu es un parent. Mais moi, ne pas animé. Mais ton enfant vient à commettre le mal. Au siliki. Et tu te fâches. Au lobby maloya. Et tu prononces les mauvaises paroles. Au fin du mois. Tu insultes. Comment le monnaie on est bouquet. Et toi, tu as minimisé cela. On veille aux parents. Et tu dis que tu es parent. Au fin des exemples. Mais. Insulter n'est pas un problème. Exulter. On fait cet exemple. Qu'est-ce que tu as donné comme il est pétard à Bokora. Et lorsqu'il sera au fin, après, il va commencer à insulter aussi ses enfants. Tu avais insulté l'enfant, tu étais dans la colère. On a sujet à faiblesse. Tu es un sujet de famille. Il est dit ça, il est vraiment après. Dis vraiment à ton enfant. Il est dit ça. Pardonne-moi, mon fils. Mais on nous a dit, moi. Un enfant, soyez dans le avoir notre race. Si je dis, il va santé. Comment est-ce que mon enfant est c'est ton enfant là que tu vois encore petit. Et vous, vous bloquez mon enfant, mais vous avez là. Ça peut bloquer tout ce que tu as dans ta maison. Et vous, pour renverser ma famille. Ça peut renverser même tes projets. Il est parti, c'est le parti. Oh, on peut voir, l'ennemi peut voir. Et l'ennemi peut voir dans ta vie. Il peut te déstabiliser. A aucun coup, tiens dans mon goulou. Nous, se les suivre. Tout est suivi. Il faut au réfuter à moi. Donc tu vas repousser tout ce qui est comme suivre dans ta vie. C'est très important. Et ça dit mon Dieu à Koleka. Ça a la facilité de causer quand même pas. Donc et pas moi, on a aussi voyé pour ça. Il faut avoir la facilité de t'excuser auprès de ton enfant si tu avais commis. Yoka ma orgueil, mais il va y aller ça. Écoute les orgueils comme on les reste. Parce que le monde orgueil détourne. Parce que dans le monde, c'est l'orgueil qui remplit le monde. On est dit. C'est vrai qu'ils m'ont demandé. Si tu avais commis une erreur. Pardon, ils allaient te suivre dans la commande de Joséphine. Le
Mes parents, par exemple, restaient en France avec Joséphine. Joséphine a sauvé l'Europe. Joséphine, j'ai acheté une robe. Robe est un pardon. La robe n'est pas un pardon, non. Et sa droite est son droit comme son propre robe. Et sa droite, c'est son droit d'avoir une robe. Ce n'est pas le pardon ou une excuse. Vous en avez un. Il y a des devoirs dans le temps. Toi, c'est ton devoir en tant que parent. Et ça, qui est au au sommeil. C'est que tu avais promis pour que je dise ça. Et humilie-toi devant ton enfant. Et t'as posé comme tout ma casse. Et si tu t'entends, Tabawana. C'est quoi cette question? Et vous renverser ma parole. Et va renverser tous tes projets, beaucoup de tes projets. Parce que ma vie, parent. On dit parent. Au Kambaba, Nanamino, selon le Seigneur. Instruisez vos enfants selon le Seigneur. Et ne les limitez pas. Mais mon père, ça va maman. C'est la parole. Et ça dit nous va en mais quand vous est-ce qu'on selon le lorsque tu l'as insulté, c'est selon le Seigneur. Si on croit ces paroles, mais tu as renversé la parole. Mais tu refuses de te répentir devant ton roi. Ne pas à moi. Parce qu'il est enfant. T'as oublié ça. Lorsque toi tu vas te mais là où tu as fait pour j'ai ligné devant moi. Dans le Bible, il faut se à moi, nous d'ailleurs. Et pour aider ma gamme belle. Et cela va aider la bouche. Mais vous en avez une leçon. Et ce sera aussi une leçon, un bon exemple. Katia, vie à moi. Et dans la vie de ton enfant. Ce qui est indabou et fanda dans ma gamme ya au soin. Si par exemple votre foyer, votre maison repose sur adapté à toi. Les enfants aussi les copient. À cause ça, l'effort est en bas encore. Ils ne feront pas des efforts lorsqu'ils seront grands. T'as la sorte là-bas. Regarde seulement les sortes d'enfants. Pour imiter quand ils ont besoin. Ils vont imiter ce qu'ils ont vu chez la parole. À Kobala, l'aura été pinda. Elle va se marier, mais toujours. Solution, ça va pas profiter, Nicolas. La solution, ce n'est pas de où aller. Ça empêche à ma raison, à la raison. C'est lui apprendre aussi les choses afin qu'elle parvienne à. C'est très important. Les animaux du Apolita. Donc c'est que Nakatina Yango, dans tout cela, Balak savait. Balak est de son côté, il savait. Au moins, il est parti. Je ne le verrai pas. Il est parti. À partir de cette partie-là, on dit tout le même. Et laquelle a dit bon temps qui va m'appeler. Alors, il faut que Balaam. Et tu vas savoir que Balaam. Dès maintenant, après ça, qui ma parole n'est pas Balak. Et c'est lui qui avait donné les paroles à Balaam. Il y a mon nom comme on dit dans Apocalypse 2, verset 14. Et c'est ce qu'on avait vu dans Apocalypse 2, verset 14. Tout en bas. On avait lu. J'ai, mais on répétait à vous parce que c'est très important. Je le répète parce que c'est très important. Parce qu'il faut savoir une étape où il va qui est Balaam. Parce que nous sommes dans l'étape de l'identification de Balaam. Et comment Bazari peut agir dans mon Balaam. Et comment est-ce qu'ils agissaient lui et le roi Balaam. Il faut y aller. Et tu vas savoir aujourd'hui. Balaam, Bazar et Bélé. Il y a plusieurs Balaam. Donc au moins on a 2 Pierre 2. On les verra dans 2 Pierre chapitre 2. Maintenant, on retourne dans l'Apocalypse 2, verset 14. Mais en ces temps, nous retournons d'abord dans l'Apocalypse 2, 14. Texte tout en qui. Les textes qu'on avait lus au début. Tout autant encore au nom de Jésus-Christ. Nous la réunissons encore au nom de Jésus-Christ. Mais j'ai quelque chose contre toi. Si Nazali est là, comment encore Nazali côté régulier. C'est que tu as là déjà attaché à la doctrine des Balaam. Vous avez dit, on a battu au Bakandani, là, il a dit ici à Balaam. Qui enseignait à Balaam côté à Kabbalah à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Vous voyez le rôle de Balaam. Balaam enseignait à Balak. Balaam a salari côté à pour Balak. Nadine a été et ça l'aimait là. Dans le but qu'il puisse se faire, que Israël a mes mamans n'a collé des choses sacrifiées aux idoles. Que Israël soit entraîné à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Et donc, on a, quand il y a un mot, et cette chose dans toutes ces choses, il y a des l'impudicité. Et ça dit, n'a pas ma casse. Il y a un mot total qui bouille. C'est pourquoi on avait montré ceci. Dans le total qui est dans Nombre, chapitre 25, lorsqu'on avait vu dans Nombre, chapitre 25, à partir du verset 1, à partir du verset 1,
Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Israël demeurait à Sittim. Israël a zaki kofan dans la Sittim. Le peuple commença à se livrer à la débauche. Bote koma ki komi pesa na bundumba. Avec les filles des bois. Na bilenge pasi ya boka mwaba. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Bilenge libota na bundumba mbeka na nzambe na bango. Donc il camponit les salines. Qu'est-ce qui s'était passé de là? Bajane à Israël, Banamibal, les fils d'Israël, Bazara qui séduit Nabasi à Libanda, Barwanit. Et Sama qui est pas à Bilenge, Basi à Bokamoa. Naba Madianit, Nenge Lubin, un nombre 30. Et avec les filles de Madian, comme on le dit dans l'ombre 30. Maintenant, ma fille Madianit, Namoabit. Maintenant, les filles de Moab et de Madian. Amo Bazar, Batabikoul. Et ils étaient les filles de peuple des nations. Amo Sami, Barbito, Kenenosam. Et s'il dit, rendons-nous à la prière. Les âmes que nous sommes là et qui courent. C'est pour aller adorer des idoles de faux dieux. Et le peuple viendra et mangera des viandes sacrifiées aux idoles. Mais pour Israël. Mais pour Israël. Les âmes interdites. Et puis qui savent qu'on y a mis sur la mamie. Mais Israël a mis mamie. Mais comment est-ce qu'Israël fut emporté? Azara qui emporté dans le règne qui battait les mères qui écritirent il y a des termes. 7 verset 3 à 4. Ils étaient emportés de la manière qu'ils s'étaient opposés à l'écriture de Deutéronome 7, le verset 3 et 4. Deutéronome 7, au verset 3 à 4. Deutéronome 7, le verset 3 et 4. Et le Bible, et nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mon nom, nous lisons le nom de Jésus. Il ne contractera point de mariage avec ce peuple. Il ne donnera point de filles à leur fils. Et tu ne prendras point leur fille pour les tes fils. Là, c'est la loi de Dieu. Et cette loi restera immuable. Ceux qui ont monté la parole, si quelqu'un n'a pas la parole, il ne faut pas l'épouser et non plus donner ta fille à ses sœurs. C'est l'écriture. Les amis qui commis à ta mère. Tu ne peux pas mépriser l'écriture de Dieu. Si vous méprisez l'écriture, vous allez payer ma carte aux autres pour qu'il y ait un fait. Si tu méprises l'écriture, sache que tu prépares mon chemin. On méprise l'écriture. Il ne faut pas mépriser l'écriture du Seigneur. Donc, on méprise l'écriture, Zambé a honoré. Si tu ne méprises pas l'écriture, le Seigneur aussi va te. C'est très important. Et ça dit, mon Dieu, à ma tasse. Parce qu'il va te remettre en Christ et nous le. Et qui est venu en Christ? Les âmes ont tenu ça ensemble. C'est toute personne qui prie. Non, non, Seigneur. Qui t'a donné cette définition? En Christ, les âmes ont trois ans d'avoir l'enseignement véritable. En Christ, c'est celui qui est dans le véritable enseignement. L'enseignement vrai. L'initiation, là. Parce que quoi? Il croit à cela. C'est en Christ. Ils allaient dans la tête à Christ au Jésus. C'est ça la parole du Seigneur. Il y a un bon élo en colo. Devant la parole. Zamba soumana ne va pas se justifier. Devant la parole que Dieu m'aide à ne pas me justifier. Nakita. Que je puisse m'humilier seul. Je dis parole et corriger la nakita. Si la parole est corrige, que je puisse m'humilier. Nakita. Que je puisse me rappeler. Que l'amour va aller au temps. Je sais, c'est seulement cette parole qui va m'élever. La parole dit qu'elle est un mot ici. Il faut laisser la place à la parole. Je t'en suis plus vrai. Dans ce monde, on peut imaginer la parole ici. Laisse la place à la parole. Si à cause de la parole est possible de tourner la table. Si à cause de la parole tu vas dormir en famille, toi qui reçois l'argent par des voies injustes, tu vas voir un frère qui est policier de roulage. Mais il fait des restos avec d'autres policiers de roulage. Et ça va venir par jour 100 000 francs. Et que par jour on donne 100 000 francs. 100 000 francs. Salaire à roulage, c'est ça. Ils n'ont même pas 100 dollars. Et le salaire d'un roulage, ce n'est même pas 100 dollars par mois. Mais il y a un salarié qui ne met pas jour 100 000 francs. Il fait des restos de 100 000 francs par jour. Maintenant, tu fais des salariés qui ne va. Maintenant, les frères, ils ont. Nous sommes en bon mois. Où est-ce que tu. Tu as cet argent là-dedans. Il y a des. Dans l'argent des restos. Après, au moins, hein. Après, au roulage, au son d'une pomme. Un roulage achète une parcelle. Sauf que au son d'une pomme, on a donné à ma paix. Si tu achètes une parcelle par des voies injustes, ça va la meilleure. Le Seigneur est là. Quand on a la conscience, lorsque tu regardes la parcelle, la conscience te dit.
Tu vois comme tu avais tracassé les gens? Ce n'est pas que tu suives la manière de marcher ou de se conduire de tout le monde. Sauf qu'on souffrir pour la Christ. Si tu vas souffrir pour Christ, et ça va. Christ est là qui t'a appelé, qui t'a créé. Il ne va pas te laisser ta maison dans la faim, dans la famine. Il ne va pas abandonner ta maison. Il ne va pas t'assister certainement. Sois vite toujours dans la justice de Dieu. D'accord, ça va la justice. Lorsque tu es dans la justice, attends aux souffrir. Si tu souffres, Zambé. Le Seigneur a consacré. Il ne mange jamais. Le Seigneur ne mange jamais. Et ça frère, moi, ça dit chauffeur, maintenant, moi, pour chauffeur, il y avait un frère qui était le chauffeur d'une autorité. Et lui était son chauffeur. Mais moi, il y a un monsieur qui était un blanc aussi. Mais ce monsieur-là était aussi un blanc. Mais désordonné. Parce que mon temps, mon oulou. Très désordonné. Mon Dieu, kili-kili. Maintenant, frère, son frère. Maintenant, le frère, lui, il était chrétien. Donc, à sa parole, soit il concerne la désordre, là. Il est la cible de Dieu. Il est mon droit. Et c'est cette autorité-là. Et à vous, ça va confondre à moi avec celui qui est né dans la pharmacie, qu'on nous sommes au moment la papillance. Donc, il peut aller l'envoyer acheter des préservatifs à la pharmacie. Joël, vous avez dit que frère, là, il a qui côté, il court sur la voiture. Et ce jour-là, il s'est trouvé que c'était le frère qui est au service. On l'a l'a béni. Les blancs l'ont appelé. Il a dit prends l'argent. Et nous sommes la main. Il danse pour nous en ça. Il va m'acheter le préservatif, j'ai un travail à réaliser. Frère a initié que. Et le frère lui a dit nous allons les amender. Comme ce service-là n'est pas. Là, là, vous participez à un péché. Je ne peux pas participer à ton péché. Là, moi, vraiment. Je ne peux pas participer à ton péché. Si je veux quitter le travail pour être dans le chômage, il faut me faire quitter mes limoges. Parce que je ne peux pas aller chercher quelque chose de mauvais pour commettre la fornication. Donc les blancs ont pleuré. Il s'est prosterné. Il est descendu à lui. Il a dit non. Vous avez ça. Gloire. Tu donnes de la gloire. Alléluia. Les blancs a pleuré devant le frère. Et récompense. Et la récompense. A sauvé les dames la bandade. Les blancs lui acheté une place. Sa maison. Il a dit le fait que vous en faites. Il a dit le fait que tu es ferme dans ta compte. J'achète dans la maison. La chanson, mais dans le corps, on est de la bandade. T'as la mère, Judas. Regarde comment est-ce qu'il a obtenu une parcelle. T'as la mère, Judas. Observe toi-même comment il a obtenu la parcelle. A gardé position à parole. Il a gardé la position de la parole. Il a refusé de vendre et de livrer la parole. Et les blancs lui ont récompensé. Il a monté mon vous croyez que les gens qui ont été capables de faire les autres. Vous pensez que le Seigneur est capable de résoudre tes besoins. Les yeux sont toujours sur ton petit salaire. Maintenant, vous libérez, ils sont toujours dans la vie à ma mère. Maintenant, tu es en train de te détruire dans la bonne position. Garde la bonne position. La bonne position. Dieu te paye. Et le Seigneur va te rémunérer, te paye. Dieu, Zambé te paye. A vous foutre d'ailleurs. Dieu est grand. Zambé a sali mon nez. Il te payera. A vous foutre d'ailleurs, mon nez. Les dieux que nous serons. Zambé a sali mon sali. Et vivant. A sali à mon nez. A mon nez. Il voit toutes choses. Paye à Yémi, passe à la naïve. Et connaît nos souffrances à nous bien-aimés. Paye à la naïve, sauf à l'âme.
nous à part il y a des il n'y a personne qui nous fait du bien à part lui notre Dieu. Attache-toi seulement à la vie et la sainteté. C'est très important. Les amis, vous tuez à ma place. Et si tu bénisses, ça vient pas de alors, tout le monde est toujours remarqué. Ici, nous remarquons. Le Seigneur a permis ce qui est Israël. Le Seigneur avait interdit à Israël. Il y a qu'on adorait. Il y a qu'on s'en il y a qu'on s'en mêlait. Il y a et de prendre son fils. A livré un basse à papa et ou bien libère à papa. Et de les livrer entre les fils étrangers ou les fils des étrangers. Et si le fait, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Verset 4. Le verset 4. Car il détournerait de moi tes fils. Qui servirait d'autres dieux? Verset 4. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. C'est lui qui est en train de dire ces paroles, c'est lui notre Dieu. C'est lui qui nous a prié. Alors, si tu t'attaches aux filles ou aux fils qui n'ont pas de la parole de Dieu, à quoi détourner quel il va détourner, ils vont détourner ton cœur. Là où on est fabriqué. C'est lui qui a fait ça, c'est le créateur lui-même. Alors, lui dit au quoi adorer un faux Dieu. Jusqu'à ce que tu vas servir le faux Dieu. Il camboana des éléments qui. C'est cet événement qui s'était passé dans Nombre 25. Israël a désobéi cette ordonnance. Israël a désobéi à cette ordonnance. Maintenant, dans cette désobéissance, et maintenant dans cette désobéissance, il est devenu faible. Israël va comment faire là bas et si quoi va nous faire la ikiko. Les enfants normal. Rester là où, dans le lieu des adorations de faux dieux, il est trouvé normal. Donc, ma fille Moabite, dans les filles de Moab, ils invitaient un frère à l'Israël. Donc, on s'en met à l'Anzam, mais là, on s'en va. Tu dis ton Dieu là, ton éternel. Et si tu m'aimes, viens aussi, rendons-nous à l'adoration de notre Dieu. Là, on s'en tranquille vraiment. Là, elle s'en vraiment sera l'adoration Moab. À l'adoration des filles de Moab. Allez, les locaux, il y a force adoration. Et ils mangent même des viandes sacrifiées aux idoles. Il y a bonné l'écriture, les honneurs. Et c'est ce que dit l'écriture. Et où tu vas? D'où provient c'est par un faux mariage. Na ma pala, il y a ma paix. Na tawana, en ces temps-là, et c'est le mec qui, physiquement. Les choses se sont passées physiquement avec des hommes naturels comme ça. On dit, ma cabou, et c'est le mec. Alors, ces choses-là se sont passées. Il y a un nombre 25, verset 1 à 2. Israël demeurait à Sittim. C'est la Zaki pour faire de la Mokassi. Et le peuple commença à se livrer à la débauche. Avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Mais parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous il y a qui appelle le frère Jacques. Il n'y a pas de frère Jacques. Et rendons-nous à l'adoration d'une idole. Oui, il n'y a pas de plus faible. Et un frère Jacques devient aussi. Pour l'année. Si pas une année, une autre. Parce qu'il s'était déjà dans la débauche d'un publicité. A invité, Marie. Donc, elles ont invité les enfants. Donc, elles ont adoré le faux Dieu. Allons adorer le faux Dieu. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Avec ce qui monte à la sang, on va t'amener la parole. Et le peuple mangea. Et se prosterna devant leur Dieu. Maintenant, quelle terreur, bien-aimé. À cause du péché. Nicolas, et publicité. Le peuple est connu faible qui est la force adoration. Pour se rendre à la fausse adoration. Mais il faut y baliser qui tous les peuples étaient. Ce qui est le mec qui est bon tabou du matin. Il n'a pas réservé toujours un reste. Le Seigneur réserve toujours un reste. Là où il a boué ça avec moi. Lorsqu'il y a un événement qui se passe. Il protège toujours un reste. Il protège toujours un reste. Mais vous avez pour le canal et après ce qui m'a dit, il y a un an et un matin. Et alors, cherchez qui avait donné ce mauvais enseignement-là. N'écoutez pas du nombre 31. On avait lu le nombre au chapitre 31. À partir du verset. 15, à partir du verset 15, Namanuel 14.
Jésus-Christ. Jésus. Amen. Et Moïse il t'a contre les commandants de l'armée. Mais Moïse a demandé à qui va camper à ma pinga. Ah ouais, il a la dernier combat à Moïse. Ici c'est le dernier combat de Moïse. Avant Koufa. Avant qu'il ne meure. Abondamment là. Il avait combattu contre le fils de Madian. Tant on le verra sur le faux prophète, on expliquera dans mon lorsque nous parlerons sur le faux prophète, on aura aussi expliqué ces choses. Ils ont très idéal. Ils ont dit qu'on tue à ma casse. Parce que nous avons besoin de ma camonaïe, bien, 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 classé. Parce que le Seigneur a bien classé ces choses dans les Écritures. C'est pourquoi tu vas remarquer dans la chair. Madian était le fils d'Abraham. Mais le Seigneur, dans son âge, il voyait Abraham par le fils unique. Isaac. Selon Genèse 22, verset 2. Selon Genèse 22, verset 1. Donc, il y avait des enfants qui étaient nés selon la chair. Il y avait aussi celui qui était né selon la promesse. Par exemple, quand nous sommes assurés, ma belle nuance, mon bima, toute la terre, Azama Onzamba Sali, et sont des créatures de Dieu. Tout le monde était Satan, Salam. Et personne n'est créé par Satan, le diable. Et ça va nous amener à Satan. Et ça soit celui qui prie Satan. C'est Dieu qui l'avait créé. Pas tout, tous les hommes sur la terre. Mais ils en ont pas la promesse. Mais il y a les enfants de la promesse parmi eux. C'est ce que le Seigneur avait classé en forme d'exemple. Que ces nations-là qui sont dans Genèse 25, qu'ils soient aussi des fils d'Abraham. Mais ils n'étaient pas les fils de la promesse. Vous suivez attentivement. Mais parmi ces fils-là qui étaient disparus, dans Genèse 25, Madian peut agenda qui a sala qui peut le canaille et Koli. Mais Madian aussi s'était dispersé pour former sa nation. Israël a boya qu'à Moïse. Et lorsqu'Israël avait rejeté Moïse, Moïse a qui m'a nakata Madian. Moïse s'était rendu à Madian. Mais la Madian de Azon Madianite. C'est là qu'il avait épousé une fille de Madian. Maintenant, Jacques Azon le maman à terre. Mais Jacques parle maintenant, c'est dans Acte 15. Dans Acte 15. La conférence de Jérusalem. Dans la conférence de Jérusalem. Dieu a jeté les regards parmi les nations. Vous savez à quoi qu'il mis sous la titre à l'école. Et il a choisi un peuple. Puis a poni l'hypothèse. Dans l'ombre en haut. Dans l'ombre de ses âmes. Moïse a qu'un amant. C'est Moïse qui se rend à parmi les Madianites. Et parmi les filles de Madian. Assurément. Il choisit une parmi elles. Vous êtes normalement. Je suis pas mais la tête de Madianite. Mais parmi ces filles de Madian. Balaam a il y a aussi Madian Balaam qui sort. Na souka ya vie de Moïse. À la fin de la vie de Moïse. On va aller à souka son dernier combat à Bokilouna. Il va combattre sa belle famille. Amen. Donc, Bissou Poutine a avec nous, nous provenons des nations de la terre. Zamba Poutine. Le Seigneur nous a choisis. Mais les emplois sont envoyés aujourd'hui. Bissou Poutine, moi, Sinaï. C'est là où le Seigneur est venu nous prendre comme son épouse. Mais pourquoi vous dites ça? Il viendra pas combattre ces gens-là. Il viendra combattre les nations de la terre. Vous suivez attentivement à classant déjà. Le Seigneur les avait déjà classés. Maintenant, il y a un mot sur le verset premier. C'est pourquoi en lisant le verset. Il y a un nombre 31. Nombre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit. Yahweh Simon s'était atteint. Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Les autres qui sont Mabéo, Bahim, Madian, Bassal, qui va dans les voilà, on a combien le verset deuxième. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Donc, dernier combat à Moïse, c'était contre Madian. Le dernier combat de Moïse, c'était contre Madian. Véritable Moïse, c'est Jésus-Christ. Le véritable Moïse, c'est Jésus-Christ. À combattre l'Armageddon contre les nations. À l'Armageddon, il viendra combattre les nations. Mais si on peut dire qu'il y a quatre nations. Mais nous aussi, nous provenons de ces nations. Et voilà, mais ça te recommande déjà. Moi, si Naïel. Déjà son épouse dans les noms, que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi nous lisons ici. Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée.
Non, c'est à tout bon qu'il a qui va établir ma vie. Après ces combats-là, dans nombre de les chefs des milliers et les chefs des centaines qui réveillaient de l'expédition, il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Maintenant, verset 16. Le verset 16. Il y a nombre 31. Mais on est venu surtout comprendre ma cambo et c'est vrai qu'il y a nombre 25, verset 1er, la 10e, il y a fausse adoration. Et ces versets qui nous aident à comprendre ce qui s'était passé dans nombre 25 au verset 2, 1er et 2, concernant la fausse adoration. Oh, donc on qui Israël, où l'on avait vu le fils d'Israël, se livrer à la débauche avec le fils des nations. Et ça dit que Bassia Papayaba, mais ma maman a fausse adoration. Et cela fait que le fils des païens puisse les entraîner à la fausse adoration. Donc on va comprendre, on va très bien l'Apocalypse. D'abord, il faut comprendre comment le Seigneur l'avait classé dans l'homme. Parce que ma fille, nous sommes venus à la saison aussi des fausses doctrines. Parce que toutes ces filles des nations, ça dit, Bamatea. Sont des fausses doctrines. Ils arrivent à la terre, à la paix, tout mal à qui ça. Nous mis sur nous, nous t'en avons fausse doctrine mondaine. Tes yeux, c'est toujours sur les fausses doctrines. Si on vous a les combos, on a fausse doctrine. Tu penses que tu vas forniquer avec les fausses doctrines. Maintenant, on va lire verset 16. Le verset 16. Il y a nombre 31. Voici, ce sont elles qui. Si la parole de Balaam ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers Yahweh. Non, Balaam avait son enseignement. Mais l'enseignement, mais son enseignement, c'est pour entraîner Israël à l'infidélité à l'égard de l'Éternel. C'est ce qu'il faut. Faut qu'il va ma casse. Et c'est à cela que tu vas prendre garde. S'il y a des doctrines, des enseignements, dans ma terre, où ils ont dit dans mon tour à quoi dans l'infidélité dans la vie, qui pousse l'homme à entrer dans l'infidélité à l'égard des choses qui sont contraires à la parole. En tant qu'ils ont dit qu'aucun de la vie mais par nous, on va tomber là. Mais ils veulent élever ces choses-là. Tant qu'on considère, et lorsque tu considères ces choses, on connaît fidèle à l'Éternel. Et Dieu te bénisse. Amen. Donc c'est que la carte est encore déjà tout que les bonnes choses que vous produisez. Et nous allons déjà pour achever pour aujourd'hui. Parce que dans la maison où est Balaam pour aujourd'hui qui est Balaam. J'avais besoin de ça. Que tu saches aujourd'hui qui est Balaam. Mais tu ne pourrais pas sillonner bien bien par la grâce de Dieu. Alors nous serons comment sillonner par la grâce du Seigneur. Parce que Pierre a zoné de la Balaamise. Parce que Pierre aussi parle de la doctrine. Mais Darané a zoné présenté. Mais regarde comment est-ce qu'il présente ça. Dans 2 Pierre 2. Dans 2 Pierre chapitre 2. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Et ça va qui n'a pas dit à l'époque d'Aïssal et les massacres à l'écoute. Et il y aura des mêmes parmi vous. Et que ça va qui n'a pas dit à l'époque. Des faux docteurs. Balakis à l'écoute. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Et pourquoi tu sais que Balakis à l'écoute. Et tu sais que Balakis à l'écoute. Et qui régna les maîtres, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront. Non. Battez les mains. Ils ont mal enseigné. Mais toujours ils ont la patroison là-dedans. Il y a toujours des gens qui les suivent. Plusieurs les suivront. Et tenez ma colata bango. Dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera harmonieuse à cause de. Ni vous retrouvez. Qu'est-ce que vous allez trouver? Par cupidité. Alors, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Et que menace depuis longtemps de la condamnation. Et dans la ruine ne sommeille point. Donc, tu verras la cupidité. Donc, la cupidité est aussi idolâtrie. La Colossiens 3.
ce qui est très grave. Il continue à dire ceci. Il continue en disant ceci. À partir du verset 10. Je prends le verset 10. Ceux surtout qui vont après la chair. Dans un désir d'impureté. Et qui méprise l'autorité. Et on va retrouver la carte là. La dépierre de lui. Audacieux. Et arrogant. Il ne craigne pas d'injurier les lois. Tandis que les anges supérieurs en force. Là, nous allons continuer toujours dans ce livre à quelques versets. C'est très important. Dans ma expliquer ma mais est semblable à des brutes. Voilà le verset 12. Qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Et qui sont nés pour être prises. Et détruites. C'est malheureux que tu sois détruit. Mais pour être détruit enfin. Mais à côté. Mais il est prédicateur. Parce que Pierre a sauvé la vie. Parce que ici Pierre parle de faux docteurs. Mais à quoi la sauvé la faux docteur. Mais à quoi t'as ma poisse à la détruire. Mais ils sont nés pour être pris et détruits. Donc, Mawana, par exemple, la conseil de. Mais n'écoute pas les conseils des gens. Et Pierre a sauvé la vie. Non, mais Pierre est en train de les montrer. Il parle d'une manière injurieuse. De ceux qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice. À se livrer au plaisir en plein jour. En faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'acquittés. Et insatiables de péchés. Ils amorcent les âmes mal affermies. Vous avez la tête de la maman. À juste. Une sœur, à des ordres, il fait des désordres, il dit à la sœur après, mon égard, mon égard, mon égard, mon égard, mon égard, mon égard, Sœur, ce qui est un frère à la queue qui parle à Bobo, ma bien aimée, ma lèvre, et les aides à la tête. Si un frère t'a promis le mariage, c'est mon premier, ce n'est pas un mariage. J'aime ça, j'aime ça, ma tête. Il faut lui dire ça au serviteur. Ce qui vous pouvez donner, ma mère, au Robert, si vous croisez, tu l'as venu au serviteur? Ce que vous pouvez dire, moi, je vais venir au serviteur. Pourquoi je vais vous proposer un balai, ma mère? Tu veux me proposer qu'il le sache? Mais ils utilisent dans la vie des gens mal affirmés. Les gens qui ne sont pas bien assis dans les choses de Dieu. Alors, après avoir quitté les droits chemins, ils ont d'abord la vie insatiable des péchés, ils amorcent les âmes mal affirmées. Voilà, dans le verset 14. Ils ont les cœurs exercés à la cupidité. Donc ma stratégie à pour gagner de l'argent existe. Donc forme non solia la cupidité. La cupidité dans toutes ses formes. Bonjour maman. Amen. À continuer. Il continue. Ce sont des enfants de malédiction. Verset 15. Après avoir quitté les trois chemins, ils se sont égarés en suivant la voie des Balaam. Fils de Bosor.
mobali abeyo. Qui aima le salaire de l'iniquité. Voilà ce chemin. C'est ça le chemin des malades. Amen. Donc, Pierre d'abord attend ici. Pierre d'abord a montré. Des faux docteurs existent. La piscine a été massacrée. Les uns partout au monde. Et pense que tous les serviteurs des églises des uns partout dans le monde. Les autres sont mis Jésus, serviteur de l'ensemble. Ça dit pour ça qu'il y a une crise à l'ensemble. Les paramètres, ils ont caché. Alors c'est un caché de la vie. Il faut que les paroles et l'oubli. Nous devons les savoir dans les paroles. Comment vous respectez la parole aussi dans ta vie? Comment est-ce que tu respectes la parole de Dieu quand même? Vous en avez un? Tu cherches. Passons à la police 13. Parce que la police 13. La bête, tu en as? Il y a un homme qui a posé un nu. Elle avait. Donc, les corps sont. Ce qu'on t'a dit. Donc, si tu observes cette bête. Ce qu'on l'a mis, tu as créé un problème. Et si tu ne l'observes pas attentivement, tu auras le problème. Alors, il y a le verset 11. Au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblable à celle d'agneau. Je ne t'arrête que là sur ses cornes. Un agneau vraiment. Et qui parlait comme un dragon. Donc, dans l'apparence, corne semblable à un âme. Mais c'est que le corps a moins en bâtiment. Ce qu'on vérifie. Maintenant, on vérifie la pratique. C'est un dragon. Mais ça peut être dans la bonne âme. Vous suivez attentivement. Donc, toi, il y a un qui s'oppose à la parole. C'est lui qui s'oppose à la parole. Pour marcher dans un terrain maudit. Il ne faut pas marcher ensemble dans les lignes. Ouais, il y a un terme dans la vie. C'est lui qui s'oppose à la vie. Ouais, il y a un exercice à la capacité. Ouais, il peut s'y marcher dans le corps. Pour marcher dans un terrain maudit. Et marcher pas ensemble avec ses frères. Ça, parmi les faux docteurs, des pierres des loups. Et ça, il y a un cas qui a exercé dans les impudicités, dans la cupidité, dans les choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Et par exemple, nous capatons, il a mal à filmer. Il cherche à émorcer les âmes mal à faire. Pour ne pas détourner. En fait, il est détourné. Donc, c'est avec conscience. Et ça, pétale à la montre. N'est pas son salaire. Et qui le font? Elle dit que, ah, oh, en tout cas, vous avez dit parole bien. Et ça, vraiment, que celui-ci maîtrise bien la parole. Un problème, je ne veux pas l'emporter derrière. Oui, oui. Mais cette soeur-ci, elle est bagarrée, ma parole. Elle ne connaît pas la parole. Je vais lui dire des choses seulement. Bon exemple. Il dit, pourquoi c'est comme ça? C'est que nous sommes bons amis. C'est dans l'unité que tu dis la cité. Et là, au fait, ça l'a basé sur. La chose doit être basée sur le vrai enseignement. C'est très important. Les animaux tués à ma case. Et les fausses doctrines, puis par ici à ma base. À la pointe des filles moabites. Et quand il s'est tapé, il n'est pas si à Bigolo. Donc, ceux qui ont s'aligné à ma mort, donc si tu contractes le mariage, on va finir par adorer faux dieux. Tu finiras dans l'adoration des idoles. Donc, ce qu'on a mis, les formes, la parole pour présenter l'enseignement. Si tu suis la forme, elle est présentée l'enseignement. Oh, et comme mon mot théologique. Oh. Il est comme le théologique. Oh, et toi, s'attacher à mon tout monde, pour y attendre, on a mis doctrine, et il se trouve en casse, pour voir la doctrine, voilà, essentielle, tout en nous. Et attachons à cette personne-là seulement pour gagner de l'argent, mais en conservant notre doctrine. Pour toi, la Trinité. Et juste à ce que vous verrez que nous devenons semblables aux protestants. Et juste à ce que nous entrons dans les fausses adorations. Mais il faut savoir que Dieu est contre les balamis. C'est que nous avons dit de l'Église à la Balam. Un chemin d'honneur. C'est là mon il y a le monde de l'argent. Il y a mon livre le consommant. Donc, on va continuer là-haut, petit à petit, même la deuxième enseignement. Nous allons continuer avec cela, petit à petit, même au deuxième culte. Et que la base du Seigneur est dans les colonnes. Et que la base du Seigneur soit sur toi. Ça fait la porte à Emini. Et le Seigneur te préserve, Jean-Michel. À ça, les allons, on a un peu pour avancer là-haut.
gloire, cette lumière qui ouvre ton chemin. Et qui te puisse rendre vainqueur. Oui, on le dit malheureusement, il peut en s'amener. Oui, tu vas parler au Seigneur. Oui, mais c'est ça, mais que si Mangaï n'a salaire, tu vas dire au Seigneur de te saisir enfin que tu le sers. Et le cognon se sent contre la parole. Et tout ce qui est contre la parole. Et dominer conscience, Mangaï. Ne puisse pas dominer ta conscience. Prie le Seigneur. Sans l'assemblée. Je sais que tu es le Dieu lumière au champ. Tu es le Dieu de toute éternité puissante. Tu es le Dieu de toute grâce, de paix et de miséricorde. Tu es le puissant Jésus-Christ. Ta gloire n'a jamais failli. Nous sommes à Kaboula pour nous pour nous allons pour les lanceurs rochers. Tu es la véritable lumière rocher, Seigneur. Vous allez laisser pour mon âme. C'est la grande résurrection, oh Dieu. C'est toi la véritable rédemption. Tu confesses ton nom parce que tu es tellement grand. Tu confesses ton nom parce que tu es prodige. Sanctifie la vie de ma soeur. Fais-toi la mère de mon âme. Sanctifie la vie de mon frère. Fais-toi la mère de mon âme. Pardonne ses fautes. Engagement mieux, ça serait qu'il n'a pas à et tout engagement qu'il cite qu'il a voilà quoi il n'a pas d'engagement à ma vie. Il tombe toujours dans cet engagement. Pessaye ma casse qui m'a donné. Nous avons pris la force, Seigneur, de s'en sortir. Pardonnez-la. Seigneur, délivre de haut, Dieu. Salez-la. Seigneur, fais-le bien. Bon, il y a un que ça puisse s'ouvre, oh Dieu. Appliquez la minée de la hausse à la mort. Qu'il vive, Seigneur, tes merveilles, oh Dieu. L'honneur aux amis et bon, c'est toi qui es le véritable refuge en rocher. Yonnez aux amis pour les monnaies des puissants. C'est toi qui es la véritable lumière, Jésus-Christ. Pour nous, la vraie taille, ça va la yamotamé dans mon monde. Que ta face se manifeste au Dieu vivant. Tu es saint. Aux amis, mon centre. Aux amis, et Dieu grand. Aux amis, ça fait mon aîné. Il parle à l'homme quand il nous soit salitaire. Et hors de toi, il n'y a point un autre roi. Beaucoup, maman, à l'homme, ça fait un bon mort. Sois glorifié au Dieu vivant. Sanctifie la vie de ma soeur. Pète la moumène de Konanda. Sanctifie la vie de mon frère. Pète la moumène de Konanda. Lève-toi, Seigneur, devant l'homme, fait qu'il vive dans la nature. Salé la Ebola ou passe aux amis en paix à Kinyan. Accorde-lui tes merveilles parce que tu es le Dieu de paix. Amen. Puissant de Jésus. La combo l'ambouille Jésus-Christ. Seigneur, ton péché, merci, la nez aux amis, la carte de la mission. Seigneur, nous te rendons grâce dans tout ce que tu as fait. Combo l'ambouille passe aux amis, mon ennemi. Nous confessons ton nom parce que tu es tellement grand. Comme ici, on passe aux amis en paix à Nisiko. Seigneur, nous te glorifions parce que tu es le Dieu de paix. Glorifié, loué, béni. Sois glorifié, loué, béni. Sois célébré, Seigneur. Nous bénissons ma pauvre parce que nous avons un grand amour. Nous avons un grand amour parce que nous avons un grand amour. 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 Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi pris. Nous sommes délivrés. Grâce à l'éternel et sa maladie. Et ta grâce manifeste en toutes choses. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que la bénédiction soit le partage de tout un chacun.